toi, devenir chauffeur en 2023-2024, c'est intéressant, chauffeur de bus, parce que beaucoup de gens se posent la question. Et puis tout à coup, je vois. Direct. Ah ouais, direct. Arrête de me suivre. Arrête de me suivre. Ah, pourquoi tu t'arrêtes pas de m'embêter? Il n'y a pas eu des cris dans le bus, déjà. Ça criait contre moi. Là, tu vois, comme je te dis, les TM, là, c'est chaud, tu vois. Ouais, c'est parce que dimanche aussi. Là, à 10h08, je dois être à Mairie d'Aubervilliers. Il y a 9h56. Ouais, t'as vu ça? T'as vu comment ils viennent vite comme ça? Des fous, en fait. T'as vu, c'est de fou. Ouais. Surtout, c'est vrai que quand t'es un bus qui décharge, faut faire attention. Voilà. Il y a quand même quelqu'un qui dit, maintenant, il n'y a plus vraiment de collègues. Hein. Non, moi, c'est fini. Moi, je suis trop gentil. On m'a dit souvent ça. Hein? Quand ton visa, t'es gentil, t'es trop gentil. Ouais, les gens, ils te marchent dessus. Quoi. Ouais, ils te marchent dessus. Mais avant, c'est pas bon. Oui, mais avant, RATP, c'est toi. C'est la souplesse, c'est le bel art. Ils s'en fichent. On m'a dit, t'as plus de temps pour arriver au terminus. En fait, en gros, tu transportes des sacs de pommes de terre et en gros, tu t'en fous. Normalement, ici, t'as même 2-3 bus qui attendent là. T'as les maquiller en commentaire. Embrouille sévère. Embrouille sévère, le travail de machiniste c'est compliqué. Mais c'est vrai que des fois on voit le quotidien et c'est bien. Ouais. Hein? Le fait de faire ça, on voit le quotidien du. Ouais, le quotidien, du ouais. Chauffeur. Du chauffeur, quoi. C'était compliqué, hein. Ouais. Comme je te disais, tu vois, c'est là où on peut en manger là. Il y a des chefs ici, des avocats. Ça doit être cher ici à mon avis. Non, vite fait, normal. Ah ouais? Oh, oui, des avocats, des personnes très importantes qui viennent manger, ici, manger ici. Ah ouais, je te jure. Voilà. Mon collègue là. C'est un autre. Celui qu'on a croisé, lui, il était limité à Saint-Ouen, derrière des Saint-Ouen. Il n'a même pas fait si j'ai fait ça. Des fois, les machinistes sont à l'ouest. Hein, c'est un truc, quoi. Des fois aussi, ils n'ont pas envie de parler. Tu vois, ils sont dans le petit coin, ils font le taf. Toi, des fois, je veux pas le faire avec tout le monde parce qu'il y en a des fois, ils vont pas être. Et après, je me dis, peut-être, je le dérange, tu vois. Des fois, tu salues, si tu salues pas, la prochaine fois, quand il va te saluer, toi aussi, tu fais pareil, tu le salues pas. Ouais, c'est comme ça marche. Hein. Et ça c'est quoi là, le Zoku? Ça c'est des bureaux ou c'est des bâtiments Je pense que c'est des bâtiments de bureaux ou ce genre de trucs. Mais je pense pas que c'est des appartements. Tu vois, là je vois Zoku. Ouais, Zoku, ouais, je vois Zoku là, qui est là, qui est juste là. Je pense que c'est des magasins ou siège d'une entreprise, tu vois, ce genre de trucs. Ouais. Tu vois là, à droite là, c'est marqué Cloud, tu vois. Ouais, non, c'est. Je me rappelle à l'époque Franprix, c'était pas cher Franprix. C'était pas cher. Mais maintenant on dirait que c'est. Bah oui. Ça, ils sont devenus magasins de luxe. Il en a rien à cirer. Les trottinettes c'est interdit à Paris, hein, je crois. Non? Ils avaient voté. Ils ont voté pour les trottinettes en libre service. En libre service. Mais je pense pas que ça soit encore interdit. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont capables de l'interdire. Hein, oui. Ah, mais c'est vrai que c'est dangereux. C'est dangereux, hein, honnêtement. Hein. Pour toi, devenir chauffeur en 2023-2024, c'est intéressant, chauffeur de bus, parce que beaucoup de gens se posent la question. Pour trouver du taf, c'est compliqué, hein. C'est pas comment tu vas faire. Honnêtement, tu as la possibilité de travailler, on te donne un CDI, et puis. C'est une grande entreprise, c'est sûr qu'à la fin du mois, t'as ta paye qui va tomber, quoi. Ouais. C'est pas pareil hein, dans les autres entreprises. Hein. Bonjour. Tu vois,
ça. Mmh. T'as plein de collègues aussi qui te disent, franchement, de nos jours, c'est plus intéressant. Avec comment elle converse sur la concurrence, avec ce qui vient. Oui. Bonjour. D'un côté, je le comprends. Après, c'est les anciens qui disent ça. Ouais, c'est les anciens. Parce que, voilà. Ils ont connu la bonne époque. On va dire, ils ont bien bouffé, quoi. Ils ont bien mangé. Tu vois, une personne qui est au chômage, ça fait 2 ans, il est au chômage. Ouais, c'est intéressant pour lui, quoi. C'est un taf en or. C'est un taf. Voilà, tout à fait. Tu vois, il sait qu'à la fin du mois, il a sa paye, il a un CDI, et puis il est bien payé, et puis voilà. Ouais, ça le motive, ça fait 2 ans, il n'a pas taffé, il n'a pas travaillé, et puis ça le motive. Mais les anciens, tu vois, sont proches de la retraite. Ils n'ont pas envie de. Voilà, ils sont proches de la retraite, ils ont bien mangé. Tu vois, ils ont bien. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Ouais. Tu vois, le mec qui m'a dit de ne pas faire monter la personne, ouais. Il est monté là. Victor Hugo, toi là où il y a le bus. Voilà. Mais attends, j'ai pas compris ça. Veut dire que toi t'es arrivé. Moi, l'arrêt elle est là. Moi j'étais là. Je suis monté là. Ouais, je suis monté là. Je me suis arrêté là. Parce que là, c'est notre arrêt ici. Ouais. Tu vois, c'est notre arrêt. J'ai laissé. Voilà. Et le mec il est venu comme ça en face. Ouais. Avec ses bagages de. Bonjour monsieur. Ses bagages et le monter tranquille. Et après le prochain arrêt, c'est l'autre mec, je pense qu'ils sont ensemble, qui est monté au prochain arrêt. Prochain arrêt, ouais. Et avant que j'arrive au prochain arrêt, le mec, il vient me voir, il me dit le monsieur que tu vois là. Ouais, que tu vois, faut pas laisser mourir. Voilà. Et moi j'ai pas compris quoi, parce qu'il y avait avec lui, il y avait deux gens. Voilà, je pouvais pas refuser. Ouais, voilà. Et puis moi j'ai continué. J'étais obligé de m'arrêter et puis de faire monter et puis de faire descendre les gens. Et... C'est-à-dire que tu as fait descendre les gens de par derrière. Oui, mais parce qu'ils ont appuyé sur le bouton d'arrêt, ils devaient s'arrêter au prochain arrêt. Il est quand même monté. Ouais, il est quand même monté parce qu'il y avait les gens avec lui. T'avais pas le choix, tu pouvais. Ouais, j'avais pas le choix, je pouvais. Par exemple, t'es pas censé savoir interdire l'accès. Voilà. Et puis il est monté là. Moi, je me suis arrêté là. Ouais. Et puis le mec qui est monté, il est parti voir le mec qui m'a dit ça. Et ils le regardaient comme s'ils se connaissaient. Je crois qu'ils sont ensemble. Là, je commençais un peu à trembler à dire non, ça. Non, non, moi j'étais là tranquillement. Et puis tout à coup je vois. Bah, des patates. Direct. Ah ouais, direct. Arrête de me suivre. Arrête de me suivre. Ah, pourquoi tu t'arrêtes pas de m'embêter? Tu peux voir. Il n'y a pas eu des cris dans le bus déjà. Ça criait comme ça. Des patates. Monsieur. Et j'étais là, j'ai regardé comme ça. Et après, à un moment, la bagarre est sortie jusqu'au dehors. Et puis, ils ont commencé à taper. Monsieur, appelez la police. Les gens, ils paniquent vite. Hein. Les gens, ils étaient allés. Au contraire, ils étaient allés à l'intérieur, ils ne disaient rien. Ils étaient là comme ils regardaient. Et après, ils sont remontés dans le bus. Parce que le mec, il est monté. Le mec avec les valises, il est monté. Il est redescendu. Non, il est monté. Parce que celui qui est. Comme on appelle ça, le mec qui est avec les valises, lui il est monté tout de suite parce qu'à l'extérieur il avait une patate au mec, il était par terre, quoi, il était sonné. Et tout à coup le mec il est monté et moi j'ai fermé la porte pour partir, quoi, parce que voilà. C'est-à-dire les deux ils sont sortis, non? Ils se bagarraient et puis l'autre. Toi t'as fermé vite la porte. Parce qu'il y avait ses bagages à l'intérieur, moi j'ai pu pas partir. Ouais, voilà, et puis se sont montés, puis le mec qui avait ses valises il est descendu là, et puis l'autre il est descendu au prochain arrêt, et puis voilà, ça s'est terminé là. Après ouais, tu m'as dit t'as appelé la rigueur. Ouais, j'ai appelé le bus, j'ai expliqué, il me dit fais un AD, ils sont déjà descendus du bus, c'est bon. Bonjour. Bonjour. On va dire flamme, c'est animé ici alors. Tout ce que au nord de Paris, c'est animé, hein, moi je dis. Ouais. C'est chaud, hein. Au nord de Paris, les dépôts au nord de Paris, c'est chaud. Parce que j'ai entendu Flandre, il y a beaucoup de gens qui disent que des mauvais trucs sur Flandre. Ouais, pas le dépôt, mais bon, on va dire ouais, le parquet, les lignes, quoi, c'est chaud. C'est chaud, hein. C'est costaud, hein. Ouais. Comme je t'ai expliqué sur le 150, pareil aussi. C'est pareil aussi avec le bus articulé, c'était chargé, le mec a commencé à insulter tout le monde du globe. Jusqu'à Crèvecoeur, il a insulté tout le monde. Ouais, le Renault, tata, il y avait un Renault qui le répondait, et puis voilà quoi. Arrivé au Crèvecoeur, il a sorti un gros, plutôt long comme ça. Ouais.
Et le mec, le Romain l'a vu. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu sors ton couteau? Pourquoi tu sors? Il est descendu du bus, il a commencé à balancer son couteau. Il a commencé à balancer son couteau et puis il y avait. Ça sent des couteaux carrément. Il y avait la batte qui est venue, il y avait mon responsable, il y a un autre responsable qui est venu, tout ça. On dit oui, t'es pas choqué, tu veux pas prendre d'arrêt. Il dit non, non, ça va. Physiquement. Ouais, j'ai remarqué quand t'as un truc comme ça, ils aiment bien dire ça. Ouais, en vrai, t'aurais pu jouer sur ça. Oui, je pouvais jouer. Voilà. Je pouvais jouer. Je dis non, moi, ça t'intéresse pas de faire non, 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 je triche pas. Moi, j'ai pas. Ouais, après, ils vont devoir faire voir un psychologue. Ouais, psychologue et puis. Non, 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 non. Du moment qu'il m'a pas attaqué physiquement, ça va. Mentalement, tu vois, ça va. Tu vois. Et puis, ouais, j'ai dit non, 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 moi, ça va physiquement, mentalement, ça va. Il m'a dit ok, d'accord. Et après, voilà. Ah ouais. C'est vrai que quand tu viens de commencer, ça peut te faire quelque chose quand même. Non, mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps, tout ça, et puis. Non, tu vois du tout. Hein. Ah, je vois tout. Hein. Et comme l'autre aussi, je sais pas si j'ai expliqué que mon bus a pris feu. Ouais, je t'ai dit ça. Ouais, tu m'avais expliqué. Ouais. Ouais. Mario aussi m'a dit ça. Ouais, Mario aussi. Après, t'as rêvé des galères. Hein. Ah, ouais, mais si je trouve la vidéo là, si TikTok, je vais te montrer. Ah, il a été fouet. Ouais, ouais, si TikTok, c'est pas sur sur BFM, sur tout. Tu veux une star, toi, en fait, en vrai. Sur BFM, tout ça, c'était basé sur une. Ils t'ont pas interviewé tout ça. Non, 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 non. En fait, c'était la vidéo des gens qui étaient là, qui passaient sur BFM, quoi. Toi, sur BFM, t'as des vidéos, des trucs témoins d'un accident. Si tu vois le feu, c'était chaud. Là, le truc, c'est surtout qu'il n'y a, personne. Quoi. Parce qu'il y a... Non, moi, c'est juste les gens. Quoi. Il n'y avait pas de ça. Quoi. Ouais, que les gens, ils restent. Ils restent, c'est bien bloqué. Tout bien, ces gens. Tout. Et puis. Tu vois le bus, il y avait déjà. Ce qui me fait rire, c'est que tout ce qu'on t'apprend là, comme ça. Là, oui, mais sur. Ouais, voilà. Oui. Mais sur le avec la pression, la pression, le stress, tout ça, je te dis. C'est tout, tu penses même plus à ça. Ouais, bah oui. Hein. J'ai remarqué les bus, même quand ils ont pas le feu, tu as allumé l'extincteur, mais ça en dirait ça prend pas. Ça prend pas. Ouais. Après, comme on dit, tu ne tentes rien là-dedans, tu essayes. Ouais, tu essayes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai évacué tout le monde. J'ai ouvert la porte, j'ai dit sortez du bus. Tout le monde s'est évacué. J'ai pas vu le regretter, je l'ai expliqué. Et les gens, c'est eux qui t'ont dit de sortir. C'est eux qui m'ont dit de sortir. Et toi, tu voulais mourir. Moi, le temps de prendre l'instincteur, j'ai dit oui, il prend l'instincteur, je vois le bus était déjà cramé, j'ai dit non, ça c'est ça. C'est vraiment un début de flamme, mais léger, hein. Ouais, mais si ça commence à monter là, c'est fini. Début de flamme, oui, tu peux prendre l'instincteur, ouais. Mais du moment que les flammes étaient déjà montées. Ah ouais, non, là c'est mort. Ils étaient déjà montés. Quand ça monte, ça c'est vraiment. Ouais, mais ils étaient déjà montés, c'est là quand les usagers m'ont arrêté, ils m'ont dit oui, monsieur, vous avez des flammes derrière. En vrai, là ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien que je prends. Ouais. Ça c'est tout petit, ça. Voilà, c'est tout petit. Hein. Ouais. Ça va pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et puis, on m'a même dit avec l'été là. Ouais, ah, l'été ça va commencer encore. C'est là, on m'a dit, tu verras les bus là, ils risquent de prendre feu. On m'a dit ça. Oui, c'est vrai. Je crois que je vais pas venir. Si, si, c'est vrai. On m'a dit, les cités que tu as vues là, brûlées et tout ça, à Noisy-le-Grand. Ouais, j'ai vu ça sur TikTok. C'est sur TikTok, ouais. Et ils m'ont dit, t'inquiète pas, ce sera pas le seul. Et en plus, là, quand j'ai passé, j'étais à Créteil Saint-Maur avant. Et sur la ligne, il y a une ligne qui passait à Noisy-le-Grand, là où le bus a pris feu. Lequel ouais, ligne, ça m'en ah, 308 non, voilà, 306 qui va jusqu'à un truc là, comment ça ben ça c'est 306 Saint-Maur, non, qui va jusqu'à comment il y a un arrêt là qui va jusqu'à Saint-Maur Créteil Saint-Maur Créteil RER B, ouais, bah, je pense que c'est 306, ouais,
pense que là-bas, il y a 206, 206. Je crois 300, ça commence 300, 306. 306, je crois que c'est que celui-là. C'était le MRE qui était dessus, voilà. J'ai fait cette ligne-là quand j'étais jeune apprenti là-bas. Ah, c'est vrai que tu m'as dit que tu avais commencé de là-bas. Ouais, j'avais commencé là-bas, tout ça. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui sont mal entretenus quoi. Ouais, ouais. En plus c'est ils sont vieux. Ils sont vieux, hein. Moi je te dis des fois t'as l'impression de rouler des épaves. Ouais. C'est pas vraiment. Ouais. Ils gardent ça parce qu'ils ont pas le choix, mais. Ouais, ils ont pas le choix, je trouve, c'est même dangereux. Hein. Très dangereux. Mairie de Saint-Ouen. Pas dû le coller, le temps qui va et revient. Non, en vrai ça va, je pense qu'il paraît bien le bus là. Ah non, ça va. Ah ouais, c'est bon. J'ai eu peur. Je pensais qu'il allait s'arrêter là. Ouais. Ouais. Je pense à un peu avoir du monde là. Non, ouais, ici, il commence à avoir du monde ici. Ouais, mairie de Saint-Ouen, c'est la du 14, ça ou près. Ouais, du 14. 14. Je crois. 14. 14. Bonjour. Bonjour. Si, ouais, parce qu'en fait, t'as le. Dia, il y a le métro là. Il y a le métro là. Ouais, il y a le métro. Je pense aussi avec les travaux. Pour 2024 en vrai de vrai. Ouais, ils pensent qu'ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ça fait peur. Ouais, il reste un an quasiment. Ouais, non, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est. J'avais même entendu que apparemment Paris, au début, ils voulaient pas donner à Paris comme ville hein, pour les Jeux Olympiques là. Ah ouais? Ils ont hésité, ouais. Pourquoi? Parce que tu connais, les Français donnent pas beaucoup d'argent, donc ils veulent pas sortir l'argent. Ah ouais? Normalement, les trucs, comment on appelle ça? Les travaux là, pour l'organisation du JO, c'est pas. C'est pas l'État qui paye quoi. En fait, c'est. Alors là, c'est la. C'est l'État qui paye? Non, ou bien ce sont les dirigeants des Jeux Olympiques qui donnent de l'argent. Je crois qu'ils doivent donner, ouais. Mais je crois qu'ils doivent donner une partie. Je vois une partie et puis l'État prend une partie, un truc comme ça. Ouais, je crois. Donne, mais après eux aussi les routes là. Ah ouais, ça. En fait, ils leur donnent une partie et après eux aussi ils doivent couper, je pense. Ah, je pense, je me renseigne. Ouais, ouais, c'est ça. T'as vu, même les trains et tout a du retard. Hein. Mm-hmm. Les nouvelles rames qui devaient arriver là. Ouais. Sur les RER et tout. Sur la ligne T. Bonjour. Ouais. D'ailleurs, sur la ligne, ils devaient mettre des nouveaux erreurs sur la ligne. Ouais. Sur la B. La B aussi. Ouais, bah B. Ils vont changer. Et là, il faut la changer. Ils vont faire à deux étages. Deux étages. Ouais. À deux étages. Et le tram à T1 aussi, pareil aussi. Là, il faut vraiment changer. Ah, vous les changez vraiment. Ouais, il faut les changer. C'est le premier, ils vont jamais changer. Ouais. On dirait un métro fatigué en plus. Celui-là, je ne supporte pas celui-là. Ça fait très longtemps que je parle de l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Là, du coup, quand je vais à la Condesse, tu mets quoi, 45 minutes au moins là. Là, tu vois, comme je te dis, les TM là, c'est chaud, tu vois. Ouais, tu vois. Non, c'est parce que là, dimanche aussi. Là. Là, à 10h08, je dois être à mairie d'Aubervilliers. Il y a 9h56. 10h08 10h08. Mairie d'Aubervilliers. Ouais, là où on est passé, là. Mais c'est encore loin, non? Ouais, c'est encore loin. Ouais, c'est après la guerre du RER, tout ça. Non, c'est avant. Ouais. Bon, là où on a pris à gauche, et quand je te montrais les travaux à gauche, là. Ouais, j'ai tout mon Je pense que tu y seras quand même pour 8, non? Ça va être chaud. Ça va être chaud, hein. Non, non.
Les travaux, attends, quels travaux? Ah, tu m'as dit la première déviation là? Ouais, la première. Ah ouais, ça reste. Et puis. Arrêt et puis vous allez prendre juste à gauche. Okay. Parce que là, si vous descendez là, vous... ouais, c'est un peu trop loin, vous avez. Okay. Voilà. Merci. À distanciement directement, il y a un monsieur qui est avec un. Voilà. Ouais. De l'arrêt jusqu'à ici, tu vois, c'est un peu trop loin. Là, tu vois. Mais ils descendent juste à l'arrêt qui est là-bas. Et puis, parce que là, normalement, tu es censé continuer tout droit. Non, je suis censé tourner à gauche là. Non, mais là, sans la déviation, je suis obligé de tourner à gauche. Là, c'est itinéraire normal. Normal. Et vu qu'il y a les travaux, je suis obligé de prendre la déviation tout droit, puis je tourne à gauche, toi, pour reprendre. Normalement, quand tu arrivais là-bas, tu devais aller tout droit, ça. Non. Là, juste à gauche ici, non? Ouais. Oui, à gauche. Ouais, après, je reprends tout droit quand je t'ai montré les travaux, là. Tout à l'heure. Tout à l'heure, on les met pas, là. Non, non, l'autre côté, toi, le feu à gauche, là. Je comprends. Le feu à gauche. Ouais, non, ça c'est la déviation. C'est ça, parce que normalement la déviation elle est en parallèle comme ça tout droit là. Ouais. Ça c'est la déviation. Et regardez, ils vont pas voir, ils vont. Voilà, ils vont juste. De toute façon, ils vont remonter. Ouais, ils vont remonter. Mais je pense qu'ils connaissent. Non ouais, ils ont 5 minutes à pied. Voilà, ils sont juste à, ils sont juste à côté de la gare. Mais tout à l'heure, t'es avec moi ici. Tout à l'heure, là, si je les laissais là-bas, t'imagines marcher, tout ça. Voilà, je prends la gauche et après je prends l'itinéraire normal. Quoi. Comme je n'étais pas tout à l'heure là. Si il y a les... il y a un match de foot ou bien il y a un concert, ce genre de truc, au lieu de passer à la plaine là où je t'ai montré là, ouais. On va tout droit. Tout droit ici, tout droit jusqu'à prendre l'itinéraire. Mais ça va, la ligne elle n'est pas trop technique en vrai. Non, elle n'est pas trop technique. Mais trop technique, c'est 2-4-8. 2-4-8 ouais, 2-4-8, elle est chaude. Ça tourne beaucoup. C'est trop technique, et puis il y a du monde. Oh là là. Vraiment trop technique. C'est vrai que j'ai des fois qui tournent beaucoup, c'est un peu chiant. Ouais, trop technique. Et aussi 133. Oui. Stade de France, vous aurez dû descendre avec les messieurs. Vous allez descendre au prochain arrêt, et puis vous allez marcher juste à gauche. C'est juste à gauche là. Il est juste 2 minutes à pied. Ouais. Et puis ah, je disais quoi, dis-moi. Ouais, le ouais, 133, oui. Il y a un 133, il y a deux itinéraires. Il y a celui qui va à Saint-Brice, il y a celui qui va à Bois-de-Coin. Bois-de-Coin, on va dire, c'est un peu zone pavillonnaire, ce genre de truc. Mais là-bas, c'est serré aussi. Tu vois, les personnes, ils se gardent. Voilà. Tu gardes n'importe comment, c'est vraiment serré. Hein. C'est, ah ouais. C'est vraiment serré. Mais. C'est avec des accidents là-bas, des accrochages. Hein. C'est chiant les rendez-vous comme ça. Ah oh. Vous avez peur. Et puis, tu vois à gauche là, tu as vu des. Au moment, on était censé arriver comme ça à gauche. Ouais, ouais, ça semble arriver là comme ça. Tu vois. On passait devant la gare là-bas, on revenait tout droit. Comment ça,
Oui, oui. RERD, oui, voilà, à gauche. Vous voyez la gauche là, ouais. Voilà, vous marchez à pied et puis vous êtes arrivé. Ouais. Et là où tu les as laissés plus loin, c'était plus proche encore. Ouais, c'était encore plus proche. Mais là, là, là. Là aussi, oh, c'est ouais. Plus proche aussi. Des fruitiers toujours. Là. Ouais, la vigne des fruitiers. Mmh. Voilà. Parce qu'il y, a, y en a deux, il y a RERD ou bien pleine des Stades de France. B, c'est encore là. Oui, parce que moi j'ai entendu D. Voilà. Merci. Ouais, de rien. Et. Moi je disais quoi. Non, par rapport à la technicité de la ligne, 200. Voilà, voilà. 133, pareil aussi, bois des coins. Ça compte beaucoup 133. Ah, moi quand on me donne, je donne. J'ai l'échange, hein, sur la bourse d'échange. Ah non, moi je pas ça. Ça se voit si je t'aime vraiment pas. Non, 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 je n'aime pas. Ouais, je crois que c'est ta ligne préférée au début. Hein. Non, non, non. Lorsqu'ils sont arrivés la première fois au dépôt, on m'a mis dessus. On m'a mis 3 mois sur la ligne 133. Parce que c'est ta ligne d'apprentissage. Voilà, c'est ça. Et puis. Et puis, se rester 3 mois dessus, ça m'intéressait pas. Quoi. Honnêtement. Ça demande à changer. Ouais, ouais, ça a changé. Bonjour. Et puis, j'ai fait 3 mois. Après, je suis allé voir mon chef. J'ai dit non, je peux pas continuer comme ça. Tu fais tout le temps les mêmes trucs pendant 3 mois. Je dis ok, tu vas apprendre de tout. Ouais, ils sont censés être ici normalement 1 mois normalement. Voilà, 1 mois, voilà, ouais, c'est ça. Ils m'ont mis 3 mois. Ouais, ça fait beaucoup. Ah oui. C'est la ligne la plus dure en plus. Normalement, quand tu viens d'arriver, tu n'as pas de ligne technique comme ça avec beaucoup de monde. Beaucoup. Non, non, moi j'ai de l'expérience. Moi ça me vient pas. Ouais, donc ça va. C'est juste, j'ai pas fait tout le temps les mêmes trucs. Quoi. Tu vois, là, comme je t'ai dit, là j'ai fait 173, ouais, après ça, demain ouais. Je fais 150. Tu vois, après demain encore, je fais 249. Tu vois, ça change. Ça change. Voilà, ouais. Tu vois deux trucs. Mais quand tu es en roulement dessus, tu vois, c'est chaud. Limite on aurait dit que t'es en roulement dessus. Voilà, t'es en roulement dessus, voilà c'est ça. Et moi j'aime pas trop ça. Roulement 133. Non, c'est chaud. Bonjour. Merci madame. Bonjour. Bonjour. T'as vu ça? T'as vu comment ils viennent vite comme ça? C'est des fous. Oui, c'est des fous. Surtout en Oxford, quand t'es un bus qui décharge, faut faire attention. Voilà. Vu que moi, ils me disaient bonjour, j'aurais dû klaxonner. Des fois, c'est ce que je fais. Des fois, j'aime pas trop les laisser passer quand. Voilà. Parce que des fois, tu vas les laisser passer, les gars, il y a un gars qui va te doubler derrière. Voilà. Voilà. B, la pleine Stade de France. Ouais, la pleine Stade de France. Voilà. Mais l'autre qui m'a demandé, moi j'ai entendu Saint-Denis. Saint-Denis, Stade de France, RED. Ouais, parce qu'il y en a deux. Voilà. Il y a la B et la D. Ouais. C'est pour ça que j'ai confondu. Moi je pense que vu que tout le monde est descendu là, moi je pense qu'elle elle parlait de. Tu sais, au début, elle m'avait dit. En plus, la dame qui t'a demandé là. Si elle m'avait demandé RERB, ouais. Là je pouvais comprendre que. Et pourtant, quand elle est montée, elle t'a même pas calculé. Hein. Ah. J'ai vu, j'ai regardé. Les gens ils calculent pas, ils disent pas bonjour et après ils demandent des renseignements. Après, moi je fais pas trop attention. Tu peux bien faire attention. Hein. Moi, s'ils me disent pas bonjour. Là, tu calcules pas. Moi je vais pas le garder au fond de moi quoi, tu vois, c'est juste deux trois personnes qui disent bonjour, sinon en général la plupart ils disent bonjour, moi ça me suffit hein. Si on va dire tout mon service, oui, personne m'a dit bonjour et juste une personne m'a dit bonjour, oh mais c'est parfait. Bah, moi ça me soulage quoi. Des fois les gens ils sont eux-mêmes, ils savent qu'ils ont pas dit bonjour parce qu'ils viennent dire ouais. Monsieur, avec un sourire, monsieur, excusez-moi, bonjour. Voilà. Et je voulais savoir, tu sais, avec leur petite voix là. Voilà. Enfin, vraiment, c'est que par intérêt quoi, au début, tu ne calculais pas. Ah, lui c'est un bon. Lui. Ah ouais, lui là, sur le ouais, il était sur le 75. Ouais, c'est ça. 75. Toi, t'aimes bien cette idée en plus, ouais. Ouais, j'aime bien, il était avec moi, tout ça. On bossait bien, tranquille, sympa.
Ça se voit, il est mature, tu vois, il est responsable. Il est responsable. Moi, j'aime bien les gens comme ça, parce que t'as des collègues, attends. Et voilà, tu dis au joueur, lui, faut pas le parler, lui, faut pas le faire ça. Ouais, il veut exclu, quoi, en fait. Tu vois, c'est des comportements infantins, tu vois, c'est irresponsable, tu vois. Mais lui, tu vois, moi, j'aime bien ces gens comme ça. Il est mature, tu vois. Il est mature. Moi, j'aime bien ça. Lui, il salue tout le monde. Du moment que tu bosses avec lui, tu fais ton taf, voilà, il est correct avec toi, il est poli, il te respecte. C'est agréable. Il y en a d'autres qui viennent, j'ai l'impression qu'ils vont. Ouais, ils jouent un personnage, quoi. Voilà. Il y en a d'autres qui viennent au tas juste pour t'embêter, quoi. Tu vois, il y en a un qui te fait chier. Faut pas calculer comme ça. Voilà, moi j'ai calculé. Bonjour. Maintenant, il n'y a plus vraiment de collègues. Hein. C'est fini. Moi, je suis trop gentil. On m'a dit souvent ça. Hein? Quand ton visa, t'es gentil, t'es trop gentil. Ouais, les gens, ils te marchent dessus. Quoi. Ouais, ils te marchent dessus. Quoi. Ouais, c'est fini. Hein. Des fois, il y a les gens, tu les salues, tu ne salues pas. Le mec, il va essuyer sa main devant toi. Quoi. Tu vois. Et après, le lendemain, je vais me calculer. Tu vois. J'ai dit, mais vraiment. Ah, c'est comme ça, tu. Voilà. Moi, tu dis rien que pas, tu dis. Hein. Ça, je disais, il y a des collègues qui viennent au travail juste pour embêter les autres, pour aller chier les gens. Et moi, j'aime pas ça. Moi, quand j'ai un truc, il y en a comme ça. Hein. Moi, quand j'ai la vérité, quand il y a un truc, je sais pas, je suis bien en face. Moi, ouais, j'aime pas parler derrière. Quand il y a un truc, je suis bien en face. Comme ça, c'est clair. Satana, c'est des foules, c'est tout. Ouais. Moi, j'aime pas. Faire des jolis sourires, mais par contre derrière ça va parler de toi. Ouais, parler de toi. Fort, c'est fort. Lui qui veut quand on te met à la porte. Normalement, c'est ça dans les entreprises. Hein. C'est bon, vous l'avez validé? Bonjour. C'est ça, moi j'ai dit à les nouveaux qui viennent d'arriver. Ouais. J'ai dit, déjà, votre taf est déjà compliqué. Ouais. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec des collègues. Qui te disent oui, lui, il ne faut pas le parler, lui, il faut le bouder, lui. Toi, tu vas d'être fou. Je te jure, tu vas d'être fou. C'est... Mec, moi je vois des collègues qui sont rentrés, des nouveaux. Mais un mois, deux mois, je le vois, les mecs ils sont fâchés. Tu le vois dans le visage, ils en peuvent plus. C'est genre, il est à bout, quoi. Il est à bout, tu vois. Je te jure. Il y en a qui sont dépressifs aussi. Oui. Attends, le collègue, je l'ai vu rentrer. Je te jure, il était frais, il était gentil, sympa, tout ça. Mais tu le vois, il est fâché. Est-ce que c'est pas les gens qui ont passé le métier qui ont fait ça? Oui, mais déjà, comme je te dis, le métier est difficile. C'est difficile. Et t'as des collègues, tu vois, t'as des collègues qui rentrent au dépôt, tu salues, le mec il te salue pas. Voilà, ou bien il dit à d'autres collègues de ne pas te calculer. Psychologiquement, ça te fatigue, hein. Ça te fatigue. C'est comme ça, tu rentres, tu prends ton truc, tu fais, tu t'en vas. Voilà. Il n'y a que vraiment ceux que tu. Voilà. Voilà. Ceux qui sont courants avec toi, tu salues comme là, tout avec le mec là, moi je le salue. On parle un peu, et puis voilà, et chacun reprend son taf. Quoi. Voilà. Parce que si tu veux insister avec ceux qui te font la tête, qui font des trucs comme ça, mec. Ouais. Tu vas sortir de là, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou, je te dis. Bah oui. C'est pour ça que moi je le garde, je ne mets pas ça dans ma tête. Ouais, je ne le calcule pas, je fais mon taf tranquille et puis voilà, basta. Si tu veux parler avec moi, on part. Si tu veux pas parler, je ne vais pas aller courir derrière toi. Ouais, c'est juste des heures. Ouais. Malheureusement, plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que. Voilà. Et maintenant, les gens sont de plus en plus froids. Ouais. Putain, la chirurgie, les femmes. Il est chargé, hein. C'est du lourd ça. Ça, mon gars. Là, tu te réveilles pas, ça. Non, c'est clair. Ouais. Bonjour.
Moi, zéro. T'as vu? Il y a deux personnes qui sont montées qui m'ont pas dit bonjour. Elle, elle est montée, elle m'a dit bonjour, ça, fait, ça m'a fait plaisir. T'as vu ça? Ça m'a... Ton cœur là, il est. Voilà, t'as vu? Je dis que si t'en as 5 ans qui t'ont pas dit bonjour, c'est pas là, c'est pas grave. Ça va te blesser, non? Hein? C'est pas grave, tu vois? Mais voilà. Alors, comme je te disais, si Arthur, tu as vu? C'est compliqué, tu as vu comment j'ai pris? Ouais, non, ouais. C'est serré et puis. Si il y a des voitures qui se garent. Voilà. Là, c'est un peu. Et puis, aussi, t'as beaucoup d'embrouilles ici, tout ça. Et puis, t'as vu devant toi, après le feu, il y a des travaux. Et donc là, on va commencer la déviation du coup. Non, là, il n'y a pas de déviation. Là. Devant toi, on aurait dû passer. On aurait dû passer, toi, juste devant, en face, là-bas. Ouais. Tu vois, quand je te montrais à Emmett, là, ouais. C'est là on aurait dû sortir. Ah, c'est vrai que tu m'as dit que dans ce sens-là, il n'y a pas de déviation. Ça passe, là. Ouais, ça passe, merci. Il avait la joie de vivre. Ouais. Là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de déviation. Mais donc ça veut dire on a fait qu'une seule déviation en fait, c'est vers le RERD là. Celui-là et puis l'autre. Ah ouais. Bah je vais te montrer, tu vois quand on est sorti à Emmett là. Emmett là, au lieu de prendre à gauche, on a continué tout droit et puis on est sorti là. Tu vois là, on est sorti là, à gauche. Ah ouais. Après j'ai pris à gauche. Hein. Au moment la on sort. On sort en face. Parce que là, ouais, le côté c'est un sens unique, donc du coup. Mais vu que en fait c'est les travaux, on peut pas passer là. Ouais. Vu qu'on ne peut pas sortir ici, on est passé de l'autre côté et puis on a tourné ici à droite, ici à gauche ici. En fait, je veux me rappeler parce que là ça me dit rien là. L'itinéraire normal c'est en face. Et là non, il est censé aller en face là. Non, à droite. À droite. En direction de Pointe de Clichy, mais redescend toi. Ah, ça c'est le retour ça. Et ouais, ça c'est le retour en partant en retard. Tu devais arriver tout droit. Non. Je suis perdu. Là si je vais aller, là on va à la Courneuve là. Voilà, la Courneuve c'est l'itinéraire normal là. Là je tourne à droite là. À droite. Voilà. Okay. Donc voilà, pas de Saint-Ouen et pas de Mairie de Saint-Ouen et pas de Clichy, on vient en face. Voilà, juste en face. En face. Et on tourne ici, on prend l'itinéraire normal ici. Voilà là, on est venu ici. Ah ouais, tout à l'heure on est là-bas. Voilà. Là, je reconnais. Après on a tourné comme. Bah et d'ailleurs le 113 est derrière. Voilà. Ici il y a beaucoup de. Ah ouais, là tu vas charger un petit peu. Mais ici ça va. Mais attends, mais il est quelle heure pour charger comme ça? Il est 10h14. Ici ça va. Il se réveille tôt. Ouais, ici ça va. Mais l'après-midi c'est bondé ici, hein, c'est chargé. Hein. Comme ce que j'ai vu, il nous a regardé. Ouais, c'est comme ça. Bonjour. Voilà. J'avais dit bonjour, j'ai fait comme ça, j'ai regardé. Je te jure, sur le nombre de personnes, c'est marrant que la prochaine fois on calcule le nombre de bonjour, ça va être drôle. Ouais. Tu vois, là, il y a une personne, deux personnes. En plus, avec ceux-là, je crois que tu vois le nombre de personnes qui sont montées, qui ont validé. Ouais, c'est. Ouais, tu vois. Là. Ouais, je vois. Des fois, ça. Et puis on tourne à gauche après, tu vois, c'est... Ouais. Ouais, c'est la partie, c'est là la partie un peu technique de la ligne, quoi. Surtout au bout là-bas, il faut bien prendre c'est large. Hein. Ouais, c'est serré, tu vas voir. C'est vrai, j'ai ouvert les 4 chemins ici, non? Ah ouais, 4 chemins, là, d'ici, non? Après, ça va rejoindre le 152, là. Ouais, voilà, 152, là, voilà. Là, après, t'as la pente de la Villette à droite, le périphérique, tout ça. Voilà. Ici, c'est bondé, il y a plein de monde. C'est là que j'ai acheté ma... C'est là que j'ai acheté ma première voiture, ici, non? C'est chargé. Non, ici. Plein de véhicules ici. Mais c'est parce qu'il n'y a qu'une voie, après ils ont mis des fois voie de bus, ça change. Ouais, ça change. J'avoue là ça, ça se rafraîchit un peu.
Ah ouais, hein? J'ai la vidéo, elle va pas te servir, parce que je connais déjà la ligne. Ouais, je connais déjà la ligne. C'est juste, vu que des fois quand t'es hors ligne, t'as beaucoup d'arrêts, t'as beaucoup de lignes que tu connais, et c'est pas facile de retenir, quoi. Même si t'as déjà fait la ligne, tu vois, ouais. Celui-là, tu vois, celui-là, ah, ça ouais, fait... Ah ouais, si un stop, t'es obligé de le laisser passer, en vrai. Non, c'est lui qui doit me laisser, quoi. Tu vas à gauche, là? Je vais à gauche, ouais. C'est lui qui doit... mais si toi, il est là, comment quand tu tournes avec ton déport, tu seras obligé de le laisser passer, en vrai. Voilà, je le laisse, et puis moi, je... Parce que là, sinon, ça passe pas, hein. Ouais, je le laisse, hein. Parce que sinon, ça passe pas, hein. Bonjour madame. Après on va passer devant le commissariat à gauche. Passer à gauche là-bas. Comme je t'avais dit à Yvette, quoi. Yvette là-bas, du coup. Ça, je me rappelle. Yvette, si on avait pris la gauche. Nous, on est arrivé à ta heure, on a touché tout droit comme ça. Non, on n'est pas venu ici. On n'est pas passé par là, tout droit. Non, c'est pas là. C'est l'autre côté, Yvette là-bas. Parce que si on avait pris ici. On est passé par là, on avait tout droit, non? Non, c'est au bout là-bas, tu vois. Ah, je confonds vraiment. Au bout là-bas, tu vois, au bout. Ah, sur la ligne, il passe pas par là. Voilà. Normalement, on passe par là. Vu qu'il y a des travaux, on passe pas par là. Ah ouais. Tu vois, dans l'autre sens, ça va bas. C'est fermé quand je t'ai montré les travaux là. C'est fermé là. La déviation. Alors, on est arrivé comme ça. Ouais, on a continué tout le droit. J'ai confondu un moment, il est passé à ce qui ressemble. Normalement, on doit tourner à gauche. Ouais. Pour continuer là tout droit. Vu que là-bas, je t'ai montré, il y a les travaux. Ouais. Tu vois, on ne peut pas passer là-bas, c'est impossible. Tu vois, c'est fermé là-bas. Vu qu'il y a les travaux. Il peut se garer comment, comme ça, il est chaud lui. Hein. Ah. Ouais, c'est le personnage. Il t'a regardé parce qu'il sait que là, il va rester des heures et des heures. Moi je vais rester des heures là. J'ai pas le temps. Et puis au lieu de tourner à gauche, on continue tout droit. Parce que si on tourne à gauche ici, c'est l'itinéraire normal, mais c'est fermé là-bas. Ouais. C'est fermé là-bas. Sans les travaux, normalement on tourne à gauche, on continue tout droit et puis on sort là où je t'ai montré. Là tu vas à droite là. Je vais à droite. La deuxième. Ouais. À droite. Enfin, c'est là que j'ai la caméra, j'ai l'air allumé du coup parce qu'elle avait là, c'était pas allumé. Peut-être j'ai rallumé. Ouais, c'est là. C'était toi, pas là où il y a le bus. Hein. C'est là l'arrêt. Ah, voilà où il y a le bus. Ouais, c'est ça. L'arrêt de baie 17. Ouais. On doit repartir à. Tu fais repartir à quelle heure? 17h30 au 8 mai. Et là, il est quelle heure là? 21. 17h21. T'auras que dalle des pauses. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, on n'a pas le temps. Hein. Ah, c'est ça qui va pas. Ils te mettent des TM. Tu vois, t'as des services comme ça, c'est comme ça. En fait, j'ai compris, eux, leur TM, ils veulent que tu les respectes en voulant comme un fou, en fait. Bah, il n'y a pas de qualité de conduite, quoi. Avant, oui, avant. Maintenant, les TM, ça a changé maintenant. Et après, quand tu l'attends. C'est les TM de, on va dire, du privé, quoi. Tu vois, des Transdev, des Keolis, tu vois. Ce genre de trucs. Ouais. Mais avant, c'est pas bon. Oui, mais avant, RATP, c'est la souplesse, c'est le bel art. Ils s'en fichent. On va dire, t'as plus de temps pour arriver au terminus. En gros, tu transportes des sacs de pommes de terre et en gros, tu t'en fous. Ah, mais c'est comme ça qu'ils veulent que tu roules en vrai. Non, mais si tu veux respecter les trucs, c'est comme ça. Hein. Comme ça, moi, je suis pas le radar, moi, je roule tranquillement. C'est pas ce qu'ils vont faire. Ils m'en foutent. Bonjour, madame. Ils m'en foutent si j'arrive en retard ou pas.
T'as vu quand tout à l'heure je suis arrivé, bonjour. Là, avec cette il m'a pas donné ma pause, hein, tu vois. Enfin, je peux lui demander, mais bon, ça me prend. Et des fois, quand t'as le truc, c'est que des fois, il te dit rien, mais il prend ta pause ou ton décalage. Toi, tu dis, il m'a donné du temps, il m'a donné du temps, et t'as rien donné du t'as, temps. T'as rien donné du tu, temps. Tu devais avoir un décalage peut-être de 30 minutes ou 20 minutes. Ouais, t'as pris dessus. Et t'as pris dessus, après, t'auras rien là-bas. T'auras rien. Ouais. Des fois, ils sont très malins pour ça. Après, non, c'est possible de les réaliser, mais en roulant comme un taré. Ouais, bah, comme le taré. Ouais, mais c'est dangereux. Voilà. Non, mais c'est un bus, hein. Il est lourd, hein. Et tu sais que tu fais ça, tu fais un choc avec quelqu'un. Ah ouais. C'est quoi qui va encore perdre plus de temps. Et là, bah, c'est pas bon. On va dire, mais pourquoi t'as roulé comme ça? Ouais, t'as roulé comme ça. Ouais. Ouais. Ça sert à rien, quoi, de rouler. C'est vrai que des fois, les régulateurs, ils ne comprennent pas. Pourquoi les autres font vite et toi t'es voilà. Ouais, c'est... Des fois j'ai envie de leur dire mais venez sur ligne, venez voir. Mmh. Parce que des fois ils T'as des collègues qui roulent vite, mais hey, ça leur égale, tu peux rouler vite, mais moi quand ouais, moi je roule pas, hein. Je roule pas vite. Hein. Ouais, je commande pas, ça va. T'as raison. Ça va rien. Bah oui. Bonjour. Après, tu lui mets, toi tu retournes, après tu reviens, il te fait. Mais là, il fait mal à jusqu'à Port de Clichy. Là, je vais jusqu'à Port de Clichy encore. Eh, tu fais aller à Port de Clichy? Non. Non, j'y vais jusqu'à Saint-Ouen. J'avais regardé, ouais. Ouais, Saint-Ouen. J'y vais à Saint-Ouen. Parce que là, t'as plus de Port de Clichy, c'est fini. Attends, je vais voir. Ce que tu m'avais envoyé. Ouais, j'ai plus. Ouais, j'ai plus. Après le reste, c'est Saint-Ouen. C'est que des limites. Après, c'est sympa. Là, si je t'avais pas vu là, je n'aurais pas vu de tout. Ouais, mais deux fois, tu as des services. Là, le service, tu en as deux tours, Port des Clichés et deux tours, Mairie des Saint-Ouen. Mais tu en as d'autres, c'est tout le service, c'est que Port des Clichés, Port des Clichés. Ouais, moi, j'en ai fait plein comme ça. Ouais. Et tu en as d'autres, c'est que Mairie des Saint-Ouen, Mairie des Saint-Ouen. Moi je prends, hein. Ça me donne pas de clichés. C'est mais... vrai que t'es limité, mais après, ouais, quand même, tu fais quand même le mérite. 5 ans, c'est pas mal. Mais... Ouais. Parce qu'en général, le médecin qui prend de clichés par rapport à la pour le grand max. Ouais. Donc, du coup, en vrai de vrai, là, ce qui va être bénef, c'est que. Jusqu'à là, jusqu'à Fort. Parce que comme ça, ça aura fait l'aller-retour en entier. Ça dit quoi? De là jusqu'à Mairie des Saint-Ouen, de Mairie des Saint-Ouen jusqu'à. Non, de là on va aller jusqu'au 8 mai. Là. Voilà. Et après, 8 mai, je vais faire de 8 mai jusqu'à Fort d'Auberville. Parce que j'ai commencé à Fort à l'heure d'Auberville. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme ça, quand je vais les raconter, c'est vrai, ça va faire l'aller-retour en entier. Bonjour madame. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, là, on va dire, j'ai l'aller dans l'entier. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas trop avoir de faire des limites, hein, des vidéos limitées en fait. Ça va faire rien. Parce que la personne elle a pas tout en entier, quoi. C'est lui qui veut regarder, il a pas tout en entier. Mais c'est m'arrivé ça avec le 104 avec d'autres collègues là. Ah ouais? Le limite et le collègue a dit ah merde, ah ouais, j'ai tué ta vidéo. J'ai dit non, tu vois, t'as rien tué, on va. C'est juste que je perds du temps, je vais rester un peu avec toi. Ouais, et ouais, cette personne là, après j'ai fait des bouts, quoi. Ouais, j'y vois ça. J'y vois, c'est vrai. La vidéo, tu la regarderas un dimanche matin quand tu vas être de repos, quand on est tranquille. C'est vrai, hein. Ou bien toi, quand je suis dans le transport, je rentre chez moi, tu vois. C'est vrai que tu peux le regarder à n'importe quel moment. À n'importe, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est un point, c'est des vidéos bien pour dormir, pour s'endormir. Ouais. Toi, tu voyages un petit peu, quoi. Voilà, là. Ouais. C'est là, on est parti là-bas au fond. Voilà, c'est ça. Au lieu d'aller tout droit, moi j'ai tourné. On est rentré dans la gare. Voilà. Ici, c'est limité. Fort de Bervilliers, on va à la gare, on fait le tour et puis on revient. Et après, si on n'est pas limité, on prend la gauche, l'itinéraire normal, ouais. Jusqu'à. D'accord, donc si t'es limité, donc tu rentres à droite dans le terminus. Voilà. Là, et après, tu refais le retournement, voilà. Et tu reviens ici. Voilà. Voilà.
les 2-4-8 qui s'en va là-bas. 4-8. Ouais, t'as encore quand même du monde un peu, ils vont tous à la Courneuve. Hein. Mais il y a le marché aujourd'hui. Tout à l'heure, ils étaient un peu énervés. Ah, il y a le marché aujourd'hui. Ah, parce que le dimanche, il n'y a pas trop de bus. Et les, tous les bus, ah, là, c'est ouais, la Courneuve, bah oui, c'est là, il y a la 152, il y a le tram là. Ouais, il y a le tram, T1, tout ça. C'est pas ton collègue tout à l'heure, des shows avec toi là, devant toi là. Ouais, comment il t'a regardé? Ouais, ça va, ça va. Il y en a, ils font rire, il y en a, ils font des ces regards quand même. Ouais, mais si, il est sympa lui. Ouais, il est sympa, ça va. Il est sympa. C'était dans le cœur, attends, ça prend du temps pour mettre la vidéo. Beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. Mais tu peux la compresser, non? Hein? Tu peux la compresser. En fait, quand je dis ça prend du temps, c'est dans la préparation. Ah, c'est un peu. Ah, ouais, c'est bon. C'est pas pour la mise en ligne. Ah, tu dois faire la montre. C'est le montage qui est. Le montage, tout ça. Parce qu'il faut. Bah, il faut tout regarder de A à Z. Z, c'est vrai, t'as raison. Pour voir, après, il faut remettre. Après, il faut mettre les titres. En plus, là, comme c'est de la ligne, c'est une ligne qui fait aéroport, j'ai dû mettre des titres en anglais aussi. C'est vrai. Mais de base c'était même pas prévu pour aujourd'hui. Hein. Ah, c'est toi qui m'as forcé, tu m'as dit bon non fais la mais dis quoi Allez mais j'ai même pas dormi à cause de ça. Ah ouais. Ah c'est gentil, ouais. C'est gentil. Il y en a beaucoup, ils s'en rendent pas compte que ça prend du temps. Ouais. Si c'est vrai. À faire ça. Là en ce moment, des fois j'en fais 3 par semaine, c'est énorme. Hein. Ouais. T'as entendu la porte chef. Elle est ouverte la porte, tu vois, il a laissé quoi? Il a laissé tomber un truc à l'intérieur, il est en train de le chercher tranquille et puis la porte elle... Ouais, il a parlé des pièces quoi. Ouais. C'est ça leur permis 609 Fort de Bervilliers? Le dimanche c'est au Fort de Bervilliers. Ça c'est qui ou c'est France? C'est Keolis. Et dans la semaine, c'est Terminus ici. Et ça reste. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'as le marché ici là. Ouais, t'as le marché. Normalement ici, t'as même 2-3 bus qui attendent là. Et tout à l'heure, t'as vu le collègue, on l'a dépassé. Ah ouais. T'as, on est que deux, tu as vu. Et là tu repars directement d'ici, tu les prends tous d'ici ou... Ouais, d'ici, je veux le tout là. Mais tu repars quoi? Mais je repars. Ah ouais, t'as même pas de... Ouais, attends, attention, j'ouvre là. J'ai pas dans 3 minutes.